Bien, voilà, on vient d'arriver sous ce dimanche matin ensoleillé, contrairement à ce que prévoyait la météo, à Triel, Trey-sur-Seine, le rassemblement mensuel. Voilà, une belle Porsche 911. Une série G, une Maserati Cambio Corsa 4i2, une 205. Une Diane à côté d'un cabriolet série 3 E21. Là, on a une grosse GT Mustang. Un cabriolet Volkswagen super sympa. Honda MR qui arrive. On l'avait déjà vu celle-ci. On le connaît. C'est notre ami. Voilà. Avec son toit biparti est arrivée une alpinette A110, joli tout plein, la turbo Renault 18 turbo qui s'en va ou qui fait un tour. Là, deux autres, une Interceptor, Jensen, ça c'est sympa, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Jensen Interceptor. Superbe Ford. Petit cabriolet toujours avec les deux places dans le coffre. Voilà. AEDS Break. Deux nouvelles voitures qui viennent d'arriver, une AC Bristol sympathique et puis une Amilcar. Un magnifique 190 SL, toujours ligne incomparable. Ça, c'est beau, c'est toujours beau. Et ben voilà, une MGB. Sympa, rouge. La Renault 12. La Jensen Interceptor. Voilà, assez rare. Une voiture ultra rapide à l'époque. Une 403 classique, mais jolie. Bien, surtout bien restaurée. Une Lotus. Bah, tu résistes. Voilà. Merci, à bientôt. Une Crown, Toyota 2006, voilà, là la Caterham, sympathique. Voilà une TR4 sympathique, belle ligne toujours. Alors là un duo. Deux petites 4 chevaux mignonnes tout plein. C'est mignon ça. Hein. Les deux ensemble, elles vont bien. Hein. Ouais, c'est le départ en vacances. Tu sais, ouais, ouais. C'était vraiment la couleur d'époque. Hein. Ça, c'est la Lotus qu'on a vu la semaine dernière. La Lotus, la Mustang. La Lotus, la Mustang, pardon, qui a été fabriquée et recarrossée par un carrossier qui s'appelle Phaeton Workshop. Ça, une Lotus Esprit, et puis derrière ça. C'est quand même une belle tronche, le petite Ferrari là, hein, aussi quand même. Regarde, celle-là, si elle est belle, la première qui va arriver, elle est super. On va se mettre à. Et là, le groupe Ferrari là qui vient, c'est sympathique. C'est beau. Voilà, celle-là, elle est superbe. Une deuxième. Voilà, là, on a le groupe Ferrari. C'est toujours sympathique. Là, c'est la 308.
assez moderne. Ça. Elle est récente celle-là. Ouais, c'est joli. Sympa aussi, très joli, même que la première. Et encore une autre qu'on va filmer, on en profite parce que là, ils se sont mis en groupe, ce qui est sympathique. Là, c'est 348 ce coup-là. Là, je pense que... Non, je connais pas, alors j'allais dire que c'était pareil que la 348. Bon, on va voir, parce qu'au moins l'avantage, c'est que des fois, dans celle-là, c'est plutôt une Testarossa. Hein, ça se ressemble pas mal quand on regarde des deux côtés. Mais non. Voilà, bah là on en prend plein les yeux là, au niveau du rouge. Une Transam, Pontiac, allez, qui est pas mal non plus. 6 litres 6 quand même, rien que ça. 488 donc celle-ci. Là une Williams, 2 litres. Et puis là, on est plus dans le même style. On est dans le Moselet. Voilà. On l'avait déjà vu il y a longtemps ici. Une Sunbeam. Alpine Sunbeam, sympathique. En face, on a une Tayeul, une Chrysler 1300, Volkswagen. Allez, on fait un petit tour. On était souvent au resto. Sympa, ça, celle-là. Une Corvette, voilà, avec son moteur 350. Et son toit en deux morceaux. La DS de notre ami, impeccable. C'était une DS préfecture. Une Porsche Boxster. Joli. Non, non, non. Non, 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 c'est pas un Boxster, c'est un Carrera 4. Je vais me faire incendier par un certain que je connais. Porsche Carrera 4, pas un Boxster. Effectivement, il y a deux places derrière. Et le moteur est pas au même endroit. Voilà. C'est dit. Oh, même. Ouais, je savais pas trop comment rouler, il y avait personne dans le rétro, donc j'étais là. 327, sympa aussi, là on est dans les Camaro. Et d'autre côté, on a la Fiat 1500, sympathique, une Ford Mustang classique GT500. 500 AMG, ça doit y aller. C'est pas un 6,3 hein. Je sais pas, mais ça doit être... bizarre cette peinture mat. Hein. Oui. Ça va pas être facile d'entretien, je te le dis. Bah, paraît-il que c'est... Oui, c'est exactement. Que hein? C'est dur à... Ah, dur à nettoyer. À retoucher hein. Quand tu dois refaire de la peinture. Tu m'étonnes. Là, une SL. Voilà. Et puis à côté, on a... Bah, c'est la Moselle qu'on a vue tout à l'heure. Allez, donc ça c'est la 488, ligne superbe, récent peut-être, mais magnifique. Voilà, belle ligne. Voilà, super voiture, on ne peut pas dire autrement, c'est une ligne très réussie. Dans le style aussi, ligne réussie, on a aussi, l'air de rien, la petite 911 qui vieillit pas si mal que ça. En plus, petite couleur prune avec ses feux orange, ça lui va très bien. Fiat Barchetta qui commence à revenir un petit peu. On n'en voyait pas, c'était assez mal aimé, commence à reprendre un peu de cote. Voilà, une Z3, ça, véhicule sympathique. Souvent les lignes sont bien réussies aussi chez BM. Là c'est une 2 litres 8. Voilà, une belle mise en scène, super sympa.
La petite 4 chevaux, dès qu'on j'ai payé. Non, ça va. Oh, puis c'était les coups de méchant pilote, ça s'appelait. Puisque le moteur est ouvert, voilà, le 6 de la 12 Pontiac, 3 âmes. Elle dépasse. La tienne, elle dépasse. Ça doit faire pareil. Oui, ça ressemble à un boxer, mais c'est peut-être une nouvelle. On cherche une DS, ouais, plus récent. Mais si tu veux, moi je crois que c'est pas des plus de 2 plus. C'est des plus. Ah oui, non, c'est pas. En verdé. Ouais. Ce qu'il disait, c'est que dès qu'il y avait un camion. 488, pareil que l'eau de la rouge. Allez, c'est joli, hein. La coupe est très belle aussi. Hein. Là, la Sunbeam, c'est pas pareil, mais c'est sympa. C'est une 5. Ça, c'est une 4. Ça, c'est une 4 ou c'est une 5 ? Qu'est-ce que t'appelles 4 ou 5 ? Parce que t'as eu la 3, la 4, la 5. Ah bon ? Ouais. Ça c'est une 5, c'est Bernard Drapeau d'ailleurs, le voilà. Le voilà. Connu, voilà. Mais il faut dire qu'effectivement il s'habille en smoking, hein. c'est pour ça qu'on le reconnaît pas. Là t'as une DS à côté, confort. Et en plus il râle. Tu vois, donc, voiture de François Sagan, alors. C'est intéressant. Ouais, ouais. C'est une de celles qu'elle a pas pillées. Une de celles qu'elle a pas cassées, c'est ça. Ouais, parce que. Oui, changer un petit peu le moteur de la 403. Mais ça, c'est un petit peu plus impeccable. C'est impeccable en voiture. Un carburateur léger que ce qu'on vient de voir. Ça prend un peu moins de place. Oh, mais il y a eu la pompe aussi qui était là. J'ai l'impression que bien mieux travaillé dedans. Elle a de la place pour le mécanicien. Ah, elle est longue, elle est impeccable. Est arrivé une MK2 sympathique. Voilà, 3,6 litres, il nous a dit. Voiture qui a 370 000 km, donc très 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 robuste, qui marche bien, sympathique. On va quitter ce beau rassemblement comme d'habitude en passant par les motos. Et les saucissons. Et le saucisson par la suite. Kawasaki. Quitter ce rassemblement de triel comme cette DS d'ailleurs. Voilà, une confort. Et non, peut-être pas dimanche prochain parce que là on est au mois d'août et les vacances vont commencer, donc on sera un peu partout. Tiens, juste la 1000 car en regard de moteur pour terminer. Et une prochaine fois.